Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de l'intérêt d'une fille. Effectivement, dans cette vidéo je vais vous donner 4 façons de tester l'intérêt d'une fille, 4 techniques pour voir si une fille est intéressée. Si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit « je ne sais pas si j'intéresse cette fille », je ne sais pas s'il y a plus que d'amitié, comment savoir, et ben vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Mais avant qu'on en parle à Mifa, j'aimerais vous parler d'un bon plan que j'ai trouvé juste incroyable. Je tiens à remercier la marque WithBeDrive qui a accepté de sponsoriser cette vidéo et de partager leur bon plan. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, mon code de la route a été un petit peu une catastrophe. J'ai passé des jours et des jours, des heures à l'auto-école. C'était juste ultra chiant. Mais de nos jours, il y a des bons plans qu'il n'y avait pas à mon époque. Donc si vous êtes en train de réviser le code de la route, que vous n'avez pas envie de passer des heures à l'auto-école et de payer ultra cher, avec le code UNMISSABLE sur WithBeDrive, votre révision du code de la route vous coûte seulement 17,90€. Ce qui est vraiment pas cher. Et vous avez plus de 2200 questions officielles utilisées au code de la route pour vous entraîner. Il y a 160 séries de tests, plus des fiches thématiques. Il y a une application mobile juste ici, ultra facile d'utilisation. Donc clairement, si ça vous intéresse, foncez. C'est vraiment un bon plan pour tous ceux qui essayent de réviser le code de la route et qui galèrent. Voilà, c'est simple, rapide, efficace et pas cher. Si ça vous intéresse, je vous laisserai les liens dans la description. Et n'hésitez pas au passage à me donner votre résultat du code de la route, voir si j'étais la seule qui était un petit peu catastrophique sur ce sujet-là. Mais bref, maintenant que ça s'est dit, passons à la vidéo, on va parler de l'intérêt d'une fille. Comment tester l'intérêt d'une fille? C'est parti! Alors, la première façon extrêmement efficace pour tester l'intérêt d'une fille, ça va être de sexualiser la conversation. Sexualiser brièvement la conversation, on va pas s'attarder trop, mais on va essayer de tendre une petite perche et on voit sa réaction. Alors attention, il faut pas que ce soit un truc trop gros parce qu'on n'a pas envie de faire fuir la fille, on n'a pas envie de lui faire peur, on n'a pas envie de passer pour un gros pervers. Mais par exemple, on peut commencer à la mettre dans l'ambiance en lui disant un truc du genre « Qu'est-ce que tu aimes comme soirée quand tu es en couple ? Est-ce que ce serait le classique Netflix and chill ?» Interrogation. Et là, vous regardez sa réaction. Si la fille rentre dans le jeu, qu'elle commence à vous décrire sa soirée parfaite, en amoureux, sous la couette, Netflix and chill, tralali tralala, c'est extrêmement bon signe. Par contre, si elle fait semblant de ne pas comprendre, c'est qu'elle n'est pas intéressée et c'est que c'est un non gentil. Elle va pas vous mettre une grosse bâche dans la gueule, donc elle va clairement vous dire qu'elle comprend pas, elle va tourner autour du pot, elle va pas vraiment répondre à votre question. Donc ça, c'est une bonne première façon de tester l'intérêt d'une fille. Ensuite, une deuxième façon pour tester l'intérêt d'une fille, ça va être d'entretenir le mystère. Dans mes vidéos, habituellement, je vous répète qu'il ne faut absolument pas tout dévoiler sur soi, surtout lorsqu'on essaie de séduire quelqu'un, il faut garder notre petit jardin secret. Là, l'astuce, ça va être tout simplement de lui dire « Ah, oh, je t'aurais bien raconté cette histoire, mais ah, on se connaît pas encore assez. » Et là, observez ses réactions. Est-ce qu'elle va chercher à savoir? Est-ce qu'elle va essayer de creuser pour un petit peu gratter ce mystère et savoir ce qui se passe derrière? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle va pas vous poser plus de questions que ça? Elle va changer de sujet et on oublie complètement votre histoire. Si c'est le cas, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Par contre, si elle vous dit des trucs du style « Oh non, vas-y, t'en as trop dit, maintenant tu dois me raconter. Oh non, je veux savoir. Oh mais non, c'est bon, maintenant on se connaît assez, tu peux tout me dévoiler. » Là, ça montre qu'elle est clairement intéressée. Ensuite, une troisième façon de tester l'intérêt d'une fille, ça va être de voir si elle accepte le compliment et qu'elle vous complimente en retour. Attention, ici, il faut absolument laisser l'opportunité à la fille de vous faire des compliments. Donc, il faut vous trouver une phrase du style « Mais de toute façon, je suis absolument pas ton style de gars, je le sais très bien », avec un clin d'œil. Oubliez pas le clin d'œil, c'est très important de montrer que c'est de la taquinerie, vous êtes là pour la taquiner, que vous êtes sûr de vous et que vous n'êtes pas en train de vous dévaloriser. Mais en fait, en faisant ça, vous allez chercher un peu le compliment. Et si la fille rentre dans votre jeu et qu'elle commence à dire « Ah mais non, t'es plutôt pas mal, ah mais non, t'as un beau sourire, t'as de beaux yeux ou je ne sais quoi », là, c'est gagné. Elle est extrêmement intéressée.
Et enfin, la quatrième façon de tester l'intérêt d'une fille, elle est extrêmement efficace. C'est d'utiliser le kino. Qu'est-ce que c'est le kino? C'est l'art du toucher. Quand vous allez être en face à face, parce que cette technique ne peut pas se tester par message, mais quand vous êtes en face à face, in real life, et que vous commencez à entrer dans l'intimité de la fille, vous rapprochez, si de base vous discutiez à cette distance et que vous commencez à discuter à cette distance, que vous commencez à remettre une de ces mèches de cheveux en place, observez sa réaction. Si la fille, oula, tout de suite elle se recule en mode qu'est-ce que tu fais? C'est mauvais signe. Par contre, si lorsque vous commencez à lui parler, vous vous rapprochez et que elle se rapproche, qu'elle est ouverte, totalement à l'aise, c'est un signe qu'elle est intéressée. Si vous arrivez à établir un contact physique avec une fille, c'est qu'elle est intéressée pour avoir plus que d'amitié. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Comme vous le savez, maintenant, les vendredis, il n'y aura plus de vidéos sur YouTube. Mais il y aura un live tous les vendredis à 18h sur Instagram où je réponds à vos problèmes de cœur, où je réponds à vos problématiques. Donc si vous avez un problème, suivez-moi sur Instagram, restez connectés pour que le vendredi à 18h, je réponde à toutes vos questions. N'hésitez pas au passage à me rejoindre sur mon compte Mime, mon compte OnlyFans. C'est là-bas où je poste des photos inédites de ma personne. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.